Bonjour YouTube, comment ça va? C'est parti. Nouvel épisode, la suite, simplement, de Tunic. On part direction le Jardin de l'Ouest, je crois que c'est l'idée. Je n'ai même pas vérifié. On va sonner la cloche de l'Ouest, c'est parti. C'est ça. Donc direction la vieille maison. Vieille maison qui est du coup... Hop. Ah putain, j'avais pas regardé derrière. En plein centre, donc. Dans le coin. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Sous le puits. Kezako. Alors, il y a un puits, quelque part. Alors, des puits, j'en ai déjà trouvé. Mais je ne sais pas... je ne sais pas que c'est à dire. Bon, ça nous dira certainement où, de toute façon. Slorm, un type de mucu visqueux qui veut juste être proche de vous. Assommez-le en bloquant. Il veut faire un câlin, le mucu. Un câlin de mucu. Autobolt, il veut protéger quelque chose. Mais quoi? Tournez autour et utilisez le bouclier. Astuce, un bouclier. Le bouclier permet de se protéger des attaques à distance. Ok. Le problème, c'est qu'on n'a pas le bouclier encore. Est-ce qu'on aurait été capable de le louper? Comme on a l'air de pouvoir crapahuter assez librement. Il y a moyen que ce soit le cas. Bon, on reviendra au pire. Un feu de camp, oui. Bonjour madame. Alors, let's go. Qu'est-ce que c'est? C'est la Triforce! Je suis mort? RE à peau. J'ai eu un appel beaucoup trop long pour rien dire. Ah, oh, ça arrive, t'inquiète. Bah oui, c'est la Triforce. Roulade. Ah, il y a les escaliers par rapport à tout à l'heure. Hop. Hop. Roulade. 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 Alors, à mon avis, on a sauvé. On a sonné celle-ci. Est-ce que l'autre, ça va le faire aussi? Ok. Ça ouvre la porte, incroyable. Mystérieux. Bonjour. Y'a quelqu'un? Ah, tout à l'heure, on pouvait faire ça. Ok, on peut marcher dans le vide. On peut faire des roulades dans le vide. On peut taper dans le vide. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, si c'est nous qui l'avons fatiguée parce qu'elle nous a sauvés tout à l'heure, c'est embêtant. Elle est prisonnière? Je pense qu'elle est prisonnière. Je pense pas que ce soit moment. Je pense que c'est plus une divinité ou quelque chose comme ça. Prisonnière de la Triforce? C'est un de ces trois couleurs comme ça? Elle était prisonnière par une force maléfique. Une petite sieste, ok. Est-ce que, hypothèse, les yeux de la statue de droite
sont allumés. Les yeux de la statue de gauche, là, juste ici, sont éteints. Est-ce que du coup, ceux à gauche s'allumeront quand on aura sonné la cloche de l'ouest? Scellé pour toujours. Oh, attends, je reviens. C'est quadricolore, les trois couleurs primaires. C'est donc ça. J'ai la ref, hein, j'ai la ref. Il a la ref, il a la ref. Hop, pas eu. Hop, t'es nul. Ville. Un truc en vert. Allez, je possède la référence, t'as vu ça. C'est là d'où je viens. Ok, donc nous on veut aller vers l'ouest. Bah allons-y. Ah, une longue vue. Ah oui, d'accord, c'est là où il y avait du monde, indeed. Mais attends, sous le puits. On avait une carte qui disait sous le puits. Il y a un puits à droite, non? Ouais, hein. Avec une porte d'accès, visiblement. Ce serait peut-être ça, hein. Ils sont nombreux, là. Chouki, il aime pas trop ça. Pardon, hein. On fait des jardinages. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oula! Ah oui, encore plus de monde. Ah, puis il y a des... Ah oui, il y a des chevaliers avec des... Et des boucliers, d'accord, ok. Ah, par contre, la sonnette, elle est là, la cloche, elle est là, ok. Bon, je pense pas que ça soit une problème de santé d'y aller. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oh la vache! Alors déjà, vous faites peur, monsieur. Cessez. Alors, soit les pétards, soit la popo. La popo. Ça devrait nous donner une popo en plus. Ah, mais c'est... D'accord, c'est acheté. Ah, attends, non. Ça, c'est combien? 100 hein. Mais non, je vais prendre la popo. Ah, j'ai plus de sous. Faut pas taper. Merci. Bon, ça c'est fait. Ok. Ah non, le puits, il... Ah, j'avais pas vu que notre petite tête, elle bouge. Donc là, maintenant, on est au moulin. Ok. Ah, mais par contre, rien à voir, en fait. Le puits est bien juste à côté. Attends. Puits, alors, en plus, avec un S. C'est-à-dire... Ah! Alors là, là-bas, il y a un machin. Ok. Est-ce que... Je ne comprends pas. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on va descendre et puis on va attaquer. C'est quoi cette carte? Bah ouais, c'est une carte. Le monde supérieur. En fait, c'est trop malin parce que c'est... Ça fait office de... Ah putain, il y a des trucs que j'avais pas lu. Office de tutoriel, de conseil et tout. Il faut bien tout lire parce que sinon, tu loupes des trucs. Comprendre les points d'endurance. Alors, même si j'ai plus de points d'endurance,
Je peux quand même attaquer. Vous pouvez toujours attaquer sans endurance, ok. Moment de sécurité. Ah, ok. Ok, donc il y a une frame d'invulnérabilité au début de la roulade. Chercher de la poussière. Ah non, mais s'il faut que je commence à chercher de la poussière. Ah oui, d'accord, c'est à ce moment. Donc tant qu'il y a de la poussière, hop, je suis invulnérable. Ok. Super malin. Stabilité. Ébranlé, projeté au sol, stabilité 25% PV. C'est-à-dire qu'au-delà de 25%, en dessous de 25%, je peux être éjecté, projeté au sol. On n'ira pas essayer. Ok. Allons-y. Pardon. Oui, c'est trop pipou, trop mignon. Yeah. Laissez-moi tranquille. Voilà. Hop là, un petit peu de ménage là. Tchouk. Tac. J'ai pas vu l'autre. Ok, non, c'est bon. Ok. Ok, donc il va falloir faire un truc avec ça, certainement. Oulala, 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 quoi? Qui a fait ça? Attendez, beaucoup de choses en même temps, là. Ou l'autre. Chut. Approche dans le dos tranquillement. Hein? T'as vu? Non mais en vrai c'est infernal. Mais non mais forcément j'y vais. Bien, t'abandonnes. Mais ça sans bouclier je peux pas le faire en fait. Donc il nous faut le bouclier. Alors. Alors, avec dans l'endurance, je peux faire des roulades et me protéger derrière un bouclier que je n'ai pas. Et si ça clignote, donc que j'ai plus d'endurance, je ne peux plus me protéger, plus faible stabilité, et je peux... Ah oui, je prends plus de dégâts, c'est ça. Moment de sécurité, dégâts... Ah oui, si je suis en vulnérabilité... Donc ça clignote, je prends 150% de dégâts. Ok. Attends, je vais vérifier un truc. Ah oui, d'accord, je peux juste faire des petits sauts comme ça en fait. Ok. Et j'ai chaud. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Ok. Ah mais... Il y a un verso. Trésor et outils. Donc épée, clé, bâton, bouclier. Bah oui. Crudling. Je sais pas ce que c'est. Bombe. Alors il y a bombe de feu, bombe de glace et bombe explosive. Ok. Clé, fruit, piment rouge, lierre. Ça haute. Ah, ça augmente l'attaque, le piment rouge et le lierre, ok. L'effigie, ça donne des sous. Et les gens qui ont noté des trucs. Tu aurais pu mettre en français, on comprend que dalle. J'aime le challenge.
Incroyable, ce jeu est plein de... Mais oui, mais en vrai, le jeu est assez plein de... Et plein de mystères, ouais. Et justement, ce côté, effectivement, où il y a pas... Où tout n'est pas bien écrit... Par exemple, ces trucs, ces lettres, ces chiffres. 8 plus 8, 16. 46, certainement. 32, 75... C'est pas clair. Je vois pas ce que ça peut être. J'adore ne rien comprendre. Moi aussi. Donc, il y a des leurres aussi et des pièces d'or qui donnent quelque chose, mais pour ça, il faut aller page 20. Et on n'a pas la page 20. Donc, il faut trouver la page 20 pour savoir ce qu'on peut avoir avec les pièces d'or. Il y a des objets magiques. La Sainte Croix, qui est... Aucune idée. Ok. Potion magique. Qui se recharge au point de contrôle, certainement. Il y a des trucs cassés. Des petits machins de poussière. Ok. On dit que si vous lancez suffisamment de bombes, vous obtiendrez un prix, alors n'ayez pas peur de les utiliser. Ok. Ah oui, c'est un truc qui fait comme ça en fait. J'en mets de partout. Ok. Mais oui, on comprend pas pourquoi. Ok. Comme tu as dit, j'adore ne pas comprendre. Du coup, on cherche une clé pour entrer dans la vieille maison. Parce que la vieille maison est une étape pour aller sonner la cloche de l'ouest. Ok. Excusez-moi, je vais... Je tente des choses. Parce qu'il y a des passages dérobés aussi, quelque part, des fois. Ah, tiens, ici. Bah, tiens, hop là, le puits. Lui, je l'avais pas vu. Je croyais que je l'avais pas vu. Tac. Je peux pas y aller? Non. Ah, trésor. Non, c'est pas ça. Ça, j'en ai 2 sur 3. Ok. Et du coup, il y a un trophée de bombe. Ok. Qu'est-ce que c'est, ça? Attends, pourquoi est-ce qu'on peut aller là? Quoi ça rime d'aller ici? Ça rime à rien. Surtout qu'on peut aller ensuite là-bas. Surtout qu'on peut descendre par là en plus. Tout le monde nous ça. Tombe du héros. On en vient à la tombe du héros, du coup, non. Voilà. Selon toute logique, le bouclier, on devrait l'avoir forcément à un moment plus tard. On peut rien faire avec ça? Non, on peut rien faire. Je me dis, j'aimerais bien sauter de l'autre côté. Mais non, je suis con. Passe par là. La musique est super cool, hein. Sur toute logique, le bouclier sera disponible avant la fin du jeu. J'aime beaucoup ta logique, Apo.
La musique est super cool. Elle est pour l'instant pas prise de tête. Allez, genre, tu peux enjamber là. Merci, je suis là si vous avez besoin de moi. Toujours disponible okay, à tous les moments. Truc bizarre ça. C'est bizarre ces machins là. Ouh, il a l'air costaud lui. On essaye ? Ouh là là ! Tiens, bim. Oh, pas si costaud. Hop, petite popo. Oui. Petite popo à popo. Mais oui, les animations sont vraiment superbes. Il regarde à droite, à gauche, je trouve ça super mimi. Le jeu est super plaisant. Je me permets de casser, hein. Ouh, ça sent le mimic, ça. Il le papouillait quand même, Ichuki. Avec son consentement, évidemment. Ça va sans dire. Putain. Ok, deux bombes. Des sous-sous. Une fleur qui fait quelque chose. Les fleurs, on sait pas, hein. On n'a pas le détail de ça encore. Je regarde sur les bombes, vous voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête, mais à côté des bombes, il y a trois petits padeaux, petits carrés, qui, visibles. Bah, j'allais dire les signes sont pareils, mais pas du tout en fait. Bah, pour l'instant, je sais pas ce que ça indique. Ça reste mystérieux. Ok. Bon, ça on a bien fait de passer par là. Ah, mais du coup, j'ai pas mis les bombes en... Hop, B. Pardon. Trop pipou, Eddie. Trop pipou toi-même. Il y a des trésors partout. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça me rend fou. Tu m'as pas vu. À faire. Il y a RAF, il n'y a rien à faire. Elle est derrière toi, là. Je vais jouer petit bruit. Which one? Il y a... Tout. Ouh la vache, il a l'air costaud, lui, en bas, là. J'espère qu'il ne trouvera pas l'escalier. Alors que les autres, eux, trouvent l'escalier. S'il vous plaît. Ah mais non, j'étais en train de boire ma potion. Mais non, pas ça, pas maintenant, t'as pas le droit. Ok. Je suis où ? Est-ce que j'ai gardé... Oui, j'ai gardé mes affaires. Par contre, j'ai gardé mes affaires. Je crois que j'ai perdu quelques sous, mais j'ai gardé mes affaires. Et les ennemis sont revenus, évidemment. Super greedy. Ouf. Ah oui, putain, j'ai pris une...
Ouais, c'est... Ils m'ont coincé. Saloperie. Petit coinçage dans un coin. Hein, on ne dira pas plus. Parce qu'ils ont peur, ça. Faut gérer l'endurance, faut que j'y pense. J'y pense pas, c'est ça. Ok. J'étais là? Ok, peut-être. Putain, mais... Ouais, qu'est-ce qu'il veut, le Flagada, là? Voilà. Boum. Ah, ok. Ça, c'est bon. C'est vrai qu'il est trop mimé avec sa petite loupette. Est-ce qu'on peut ouvrir un autre coffre? Pas du tout. Ok. Bium, 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 bium. Attends. Hop là. Voilà. Pagani, tu ne vois plus que ça. Une fois que tu l'as vu, tu ne vois plus que ça. Oui, je confirme. C'est beau à voir. Allez, y'a là! Oui, je suis là. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas assez l'allonge. Tu vas où? Je suis là, hein. Bah oui. C'est toi, Shisen. Voilà. Ok, Tic et Tac, ils vont monter là. Ok. On va attendre qu'ils se retournent. Retournez-vous. Là-bas. Regardez à droite. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. On va aller attendre avant de. On va attendre avant d'aller chercher la bataille chez l'autre là. Ok, non, ça passe. J'ai cru qu'il fallait qu'on n'était pas assez puissant. Je croyais me tordre une embuscade lui. On croit rêver. Un baston. Un puits? Oui. C'est un raccourci. On a trouvé un raccourci. Ok. Non, il est là. Ça, c'est fait. Putain, il a pas l'air sympa, lui. Ah, il y a la clé. Ok, c'est lui qui a la clé. Écoutez, monsieur... Laissez-moi... Alors, vous, au fond, là-bas, vous me laissez m'occuper du monsieur en dessous, et après, on règle ça en duel. Ok ? Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrête ! Ça va pas, non ? Il est pas sympa lui. Mais du coup, je...
Encore une fois, c'est là que le bouclier peut m'être utile, en fait. Enfin, me serait utile, parce que ces deals-là, astuce, le bouclier bloque les tirs roses. Et le monsieur, l'autobolt, il tirait des trucs roses. On va voir. Hein. Très ballot, hein. Bah oui. Tu voudrais dire qu'on nous complique la vie pour mieux nous la faciliter plus tard? Ils oseraient pas faire ça quand même. On marche sur des petits trucs et moi. Voilà. Ça, c'est pas une allégorie de la vie, finalement. C'est possible. Tu voudrais dire que le jeu, les jeux vidéo utilisent la vie comme symbolique et comme... comme manière de, d'utiliser, de faire du gameplay. Ce serait incroyable. Mastermind, les gars, qui ont pensé à ça. C'est méta, bah complètement. Évite les coups dans la vie pour mieux en placer après. Complètement méta. Complètement méta. Bon, alors du coup, on y retourne. Bonjour. Attendez, laissez-moi récupérer ma vie là. Voilà. Aïe, aïe. Putain, il y a à peine 1000 life quoi. Slop, slop, slop. Alors par contre, les trucs, visiblement, ils protègent des choses. Ok. Il me laisse tranquille. Bon, on va aller voir lui là-bas. Pas un trésor ou un truc comme ça? Ah si, un trésor. Bonjour. Comment ça, tu donnes deux coups, toi? Putain, mais... Non, non. Voilà. Arrête. Attends, chaque chose en son temps, le trésor. Est-ce que c'est de ça dont il parle dans le... Les effigies. 8, 8, 16, 16... Je sais pas. Parce que du coup, là, ça dit que j'en ai un. Ok. Bon. Et tout à l'heure, quand je l'ai cassé, ça m'a donné des sous. Ça... Il veut pas utiliser la corde. Ok. Par contre, il y a moyen de... Il y a un trésor en dessous. Donc, il y a un moyen d'aller en bas. Glu-glu, la popo. Voilà. Bon, bah allons-y, hein. Bonjour. Vous me donnez la clé à vos pieds, s'il vous plaît? Juste... Non? Bonjour. Ah, j'ai essayé d'avancer doucement, hein, pour la prendre délicatement. Hein. Tel rien du tout. Tel un homme devant un T-Rex. Sa vue est basée sur le mouvement. Si j'avance doucement, peut-être qu'il ne verra rien. Comment tu utilises les bombes? Tu vois? Tiens, attrape. Oud, vas-y, encore. Allez, salut le noob. Clé de la vieille maison. Ok. Écoutez, c'était pas difficile en fait. On est où? On est là, ok. On va déjà aller voir dans la vieille maison ce qu'il peut y avoir. On peut pas prendre le... Non, on peut pas. J'aimerais bien pouvoir prendre le morceau de carte là ici pour réduire. Schler, Schler, Schler. Ah putain. Bim.
comment j'avais fait pour passer ça. Je suis passé par où? Bonne nuit, Ninette. Bon courage. Passez une bonne nuit. Dis bisous. Et merci encore d'être passé. Et d'avoir partagé ce moment sur le même jeu. Dis bisous. Merci. Bon, c'est toujours un puits. Ok. J'ai oublié qu'on avait débloqué le passage. Bim! Tiens, prends la clé. Hop. Ben voilà, c'est chez moi maintenant. Un bouclier. Il suffit de se rouler. Mais je jure, on peut rien faire. J'avais pas vu le passage, putain. Putain, et les passages secrets, The Bee, faut les voir. Hein. Ce sont des passages secrets, cela dit. Oh oui, il est là. Le bouclier. Putain. Ah oui, je le prends. Oui. Écarté. Oui. Ah oui. Oui, je dis oui. Et on est quelque part dans la vieille maison. Ok. Par contre, attends. Si on suit le tracé, là. J'ai le bouclier. Ah là, on peut pas, en fait. D'accord. C'est bloqué. Oui. J'aurais bien fait les bruits avec la réverb et tout, mais j'ai un problème avec mes réverbes, donc avec mes sons, donc je le ferai pas. Voilà, vous êtes sauf. Par contre, c'est marrant parce que dès qu'on est dans les souterrains ou les grottes, les choses comme ça, il n'y a plus de musique. Je suis invincible, elle s'est fait un build dingue, intouchable, mais de ouf. J'ai fait un build... comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Paladin, c'est mon build paladin. Guerrier mage. J'ai pas encore de magie. Je suis un paladin. Un paladin sans lumière. Par contre, on peut ouvrir ça? Est-ce que c'est trop tôt? C'est trop tôt. Mon bouclier. Ah mais attends, maintenant qu'on a le bouclier. On peut aller bolosser celui qui est... qui nous a bolossé tout à l'heure avec ses missiles. Là. Avec sa mitraillette. Mitraillette. Par contre, dès qu'il y a de la musique, hop, ça revient un peu fort. Allez hop! Allez venez, j'ai plus peur de personne là, c'est bon. Donc c'est RT, hein, faut pas que je me trompe. Cela dit, c'est vrai qu'il y a ça qui les lit. Non, ça sert à rien. Hé, toi là! Vas-y, regarde, t'as vu? J'arrive. Too soon. J'avais pas pensé que ça ferait ça. Bon, par contre, je vais aller chercher mes sous là. J'ai perdu un peu de sous. Ok. Je peux faire les deux. Ah oui, je peux faire les deux. Ok. Je peux loquer et me protéger. Non, zut, reviens là. Et eux, du coup, me font beaucoup moins peur, forcément.
Par contre, il y a bien une gestion de l'endurance sur les blocages aussi. Ah putain, mais l'autre, il est revenu. The Bee, laissez-moi tranquille. Allez, vas-y, vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on laisse tomber, on laisse tomber, on laisse tomber. Non, on laisse pas tomber, on laisse pas tomber, j'ai une blague. J'ai feinté. Putain, il y a l'aller et le retour, j'ai oublié. I forget. Bon, on reviendra plus tard. On a compris la leçon. Mais du coup, c'est facile de se croire un peu trop fort, du coup. Hein. Slurp, petit popo, là, voilà. Bon, parce que, par contre, on est... On n'a pas trop avancé vers le... Vers l'ouest, là. Essaye de voir si ça correspond à quelque chose comme ça, mais j'ai pas l'impression... Non, la vieille maison, les puits... Pas trop à quoi ça peut correspondre pour l'instant. Pour l'instant, ça correspond à rien. Peut-être qu'en haut, c'est là. Non, je pense pas. Pas trop. Je retrouve pas cette salle, en fait. Merde. Voilà. Il y a un passage là-dessous, derrière. Putain. En fait... On pouvait accéder au bouclier dès le début. Enfin, en sortant du... en sortant de... Dès qu'on a récupéré la carte, on peut y aller, en fait. Oh, putain. J'ai l'impression que le jeu essaie de nous dire... Eh, copain. Il y a des passages... cachés. Parce que, en fait... Genre, vraiment? Bon, on récupère la carte juste un peu ici, en fait, juste un peu avant. Ouais, c'est où? Ouais, genre, juste un peu à droite, quoi, voilà. Le premier feu de camp qu'on récupère, c'est celui-ci. Et en fait, il n'y a absolument rien à débloquer pour pouvoir accéder à ça. Il suffit juste de voir le passage là. Hop, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, là, je toque. Et t'as accès tout de suite à ça, en fait. Attends, parce que est-ce qu'on a pas débloqué la porte, par contre? Est-ce que c'est pas limité à ça? Ah oui, si, c'est ça. On y a... Ah non, bah non, on l'a pas fait. Le truc était déjà débloqué. Donc non, en fait, tu peux bien avoir le bouclier dès que tu finis la première partie. Au lieu de faire tout le tour, machin et tout, comme on vient de le faire, tu peux l'avoir dès le début. Oh putain. Là, par contre, tu peux faire un mind blown de ouf, quoi. Le Shukinoob, c'est pas ma faute. Hein. J'aurais fait la même RAG tout le jeu pour ne pas avoir le bouclier. Mais oui, mais c'est ouf. Bon, du coup, juste super content d'avoir le bouclier. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment ne pas hésiter à checker sous un autre angle la map pour voir s'il n'y a pas un passage caché, quoi. Un passage dérobé ou quelque chose comme ça. Parce que là, pareil, sur la maison, si j'avais pas essayé de foncer dans le mur, le passage, je l'avais jamais. Hein. Et coucou Sympali, comment ça va? C'est ouf.
quoi? Ah, il y a une fleur et ouais, des trucs qu'on connaît pas. Ok. Ça va, ça va. Eh ben écoute, nickel. La semaine se passe bien jusqu'à maintenant. Ah ben je suis plus loin que toi. Ah, tu joues à Tunic aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors. Fais peur, Eddie. Oula, oh, c'est quoi ces grosses langues là? Eh, dans le groupe de vipères là. Hop là. On peut pas les taper. Est-ce que les... Pas du tout. Pas du tout ça non plus. Ah, attendez. Je l'avais testé en démo et j'avais adoré. Et là, je l'ai acheté et commencé tantôt. Mais tu sais qui... Enfin, très bien d'acheter les jeux. Très bien d'acheter les jeux. Mais il est dispo sur le Game Pass. Mais très bon choix aussi d'acheter les jeux. Là, il vaut bien, c'est intéressant, c'est bien d'acheter les jeux une fois qu'on les a testés à limite sur le Game Pass. C'est ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs sur avec Solasta. Bim, 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 bim. Ah yep, petit coup dans le dos. J'ai pas le Game Pass. Ça se prend. C'est vrai que le jeu est vraiment cool, vraiment chouette. Ah non, j'ai cassé le panneau. Un peu le panneau. Ah, un piment pour... Le piment, ça augmente l'attaque, je crois. Le souvenir. C'est où? Piment, attaque PE. Ça doit être ça. La carte. On est tout en haut. Passage interdit. Ok. Ça veut dire ce que ça veut dire. Par contre, on l'a ici, là. Bonjour. Attendez, il y a un passage, là. Ah non, c'est en dessous. Ok. J'avoue que je voulais l'acheter plus longtemps aussi. Après, je veux pas non plus le Game Pass, car je joue pas. C'est pour ça. Ok. Après... La durée du jeu, t'aurais pu. Enfin, on peut toujours prendre le Game Pass pour un mois, le temps d'un mois, et puis t'annules ton abonnement après, quoi. Enfin, dans la foulée. Comme ça, moi, tu l'as pour un mois, et puis basta. Mais. Je sais pas. Allez, viens. Et hop. Et hop. Allez, je le maîtrise. C'est bon. Tant qu'il est seul, ça va. Oh putain, il est là, lui. Et voilà. Mais si je veux le refaire et compléter. Indeed. Indeed. Laisse-moi tranquille. Aïe, putain, la troisième, elle me touche. Putain, mais non, lui. Putain, je vais crever. Ah, il peut pas me toucher là. Je peux prendre ma potion tranquillement. Mes potions, du coup. Mais putain. Putain. Comment je fais? Arrête, je suis loin. C'est bon. Wesh. Sérieux, quoi. Des vénères. Un peu de camp, un peu plus long là. J'ai pas l'impression. Hein. Bon, on va essayer d'avancer. Hein. En fait, ils sont un peu relous. Hein. ok, là, il y a un trésor tranquille. Une fleur. Mais d'accord, mais ça fait quoi? Et ça, pareil, ça fait quoi? Ah, je peux pas traverser. Allez, soyez cool. Ouais, j'ai plus de potion de toute façon. Parce que j'ai mis ce clic, j'appuie dessus.
Chibidibidi. Chibidibidi. Ok. Du coup. Mais c'est vrai que c'est il y a un gros côté découverte qui est très sympa, ouais. Attends, on va essayer de retourner au début. Puits inondé. Bah, puits inondé, je l'ai pas fait. Hein. On va peut-être aller là-bas. Essayer de trouver l'entrée, le moyen d'entrer dans le puits. Non, je sais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner déjà au feu de camp. Oh, là, j'en viens. Ah, mais il y a un passage là. Putain. Les eaux ont bougé, hein. Ah mais d'accord, non, c'est là qu'on a besoin de la lanterne, ok. Je vous ai vu bouger, vous, hein. Ok. Donc on a besoin de la lanterne ici, ok. Donc c'est bien ça. Tombeau sombre, en même temps c'est écrit. Et tombeau sombre, c'est... Tandiki, ok. Donc il faut qu'on trouve le moyen de rentrer dans les puits. Mais attends, comment je fais là? Par contre, le guide à choper, dont faut choper les pages, c'est super malin. Et puis les passages dérobés qui sont juste cachés au nez à la barbe de tout le monde, c'est trop malin aussi. Là, le passage pour aller choper le bouclier, enfin, dès que tu trouves ce passage-là, que tu vois pas ici, là. Hop. C'est trop malin. C'est un peu un moyen de se foutre de ta gueule aussi, mais c'est trop bien. Ok. Bon. Alors. De là. Comment on peut faire pour aller au puits? Oui, petit globule là, c'est bon. Faut baisser ce levier là-bas. Mais comment? Encore un passage que j'ai pas vu, ça. Ah bah si tu penses que c'est du backseat, on y fit. Sauf si tu penses que c'en est pas. Après, backseat, toi seul et seul juge de savoir ce qu'il en est. Genre ça là, je l'avais jamais vu. Enfin, je l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Allez, soyez cool, laissez-moi passer. Et là par contre, je suis pas indiqué sur la plage, sur la carte. Si c'est backseat ou pas. Alors, c'est pas jugé. Bah si c'est une indication d'où peut être un truc ou quoi, c'est du backseat. Un peu comme du spoil quoi. C'est pas passé. Ah. Hop là. Hmm.
Ah mais du coup, voilà, je suis revenu là, hein, en faisant tout le tour. Je sais pas à quoi ça sert, ça me saoule. Ah ? Tu as fait quoi ? Bah j'ai juste sonné la première... Qu'est-ce qu'on a fait ? On a sonné la première cloche à l'est. The fuck is that? Ah non, c'est bon, ok, c'est juste un coup. Et là, on a trouvé le bouclier à l'instant. Enfin, à l'instant, tout à l'heure, quoi. Voilà. Le moyen de me débarrasser du Allez, reviens. Pif. Comment je peux faire pour aller là-bas aussi? Faire ça? Ah non, je dois le dire, ok. Ouais, c'est bizarre. Bon, par contre, cela dit, c'est dommage qu'on puisse pas tomber, quoi. Parce qu'on n'est pas si loin. Il y a l'air d'y avoir un boss dans le... dans les puits. Bon, ici. Voilà. Déjà. Je sais pas comment je pourrais récupérer lui. Faire, sachant que j'ai rien pour tirer. 2 heures de live loupé en 30 secondes. Ouais, petit résumé. Ma question est répondue. Bah voilà, tu vois. Parfait. Ah non, fallait pas te bouger. Mais non, mais tu peux pas là. Voilà. À part la popo. Hop. Mais sûr. Je suis trop loin là. C'est bon. Oh, ça va être con. Là, ça va être très tendu. Concentration. Ça, c'est fait. Ah, mais du coup, ces machins-là, c'était... Où étaient les... où étaient les anciens robots? D'accord. Mais du coup, comment je fais pour tomber ça? Ah, juste A, en fait. Ok. Et pousse. Voilà. Ok. Donc, on va prendre le trésor, quand même. Pas s'embêter. Ok. Comment je fais pour aller récupérer ça du coup? Est-ce qu'à un moment le niveau de l'eau va baisser? Bon, continuons d'avancer.
Ah bah voilà les puits, parfait. Tiens, yep, yep, yep. Hop là. Hop, ça on prend. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous cherchez à augmenter votre puissance. Hein? C'est soit une osette. Alors, la dent qu'on a récupérée permettrait... Alors, je sais que je l'ai déjà dit. Un petit peu, deux, trois fois, mais voilà. C'est comme Dark Souls. Ou Demon's Souls, ou Elden Ring. Il suffit d'aller au feu de camp, en gros, pour augmenter ses pouvoirs. C'est ça. Voilà. Bon. Ok. Donc, du coup, il faut aller au feu de camp, faire LB et utiliser les machins. D'accord. Donc, la dent, ça augmente l'attaque. Les petites effigies, ça augmente la défense. Les fleurs, c'est les PV. Mais attends, on a combien de fleurs? Attends que j'aille pas misclic. On a deux fleurs, donc on peut déjà passer niveau 2. Ah ouais? Ça paraît beaucoup. Alors, je propose, parce qu'on a vu qu'il y avait un boss, d'aller faire ça tout de suite. Bonjour. Alors déjà, on va faire ça. Et ensuite... Ah, ça se paye, en plus. Offre. 100. Non, c'est pour vendre ou c'est pour machin? Ah non, d'accord, c'est 200 pépettes plus une fleur, ça fait passer du niveau 1 au niveau 2. Ok. Voilà, c'était pas clair, maintenant ça l'est. La puissance. Et si je veux recommencer, je peux. Ah oui, là c'était 250, d'accord. Mais l'attaque, du coup, c'est 100. Ok. Hop. 100 pépettes plus la dent. Oui. Putain, faut y aller pour brûler une dent. Hein. Un pressentiment. Un boss? Ah oui, on a pris. Un petit quart en plus. Est-ce qu'on dirait pas pexer pour récupérer un petit peu quelques pépettes? Ah non, il nous manque 650. Bon, c'est pas grave. Dilly. Allez, bisous YouTube. La prochaine fois, on s'attaque au puits. J'espère que t'as bien aimé. Bon courage et bonne découverte. Bisous.